tout d'abord, au fil du temps et de notre société, les gens sont de plus en plus en besoin parce que ils se posent beaucoup de questions par rapport à leur quotidien, à leur vie, à leurs difficultés, à leurs blocages sur la vie quotidienne, mais ça peut être aussi leur vie privée, leur vie pro. Il y a de plus en plus de personnes qui manquent de confiance en elles et qui ont besoin d'un soutien, d'un accompagnement vers des questions justement de vie quotidienne. Et c'est vrai que cette confiance qu'ils ont envers les cartomanciennes, les médiums, les voyantes, c'est souvent pour avoir des réponses à leurs questions. Mais moi, la façon dont je mène ça, j'accorde beaucoup d'importance à l'énergie du moment. C'est-à-dire que c'est un échange, c'est un partage entre la personne et moi-même, dans le sens où un tirage d'oracle ou de tarot, hein, c'est vraiment à l'instant T. C'est-à-dire que la personne peut revenir dans un mois ou dans deux mois, le tirage ne sera pas du tout le même. Pourquoi ? Parce que les énergies changent suivant l'environnement aussi, et surtout l'état d'âme de la personne. Et d'où vous vient ce don ? Alors, il faut savoir que je suis énergéticienne et radiesthésiste aussi. D'accord. La cartomancie, pour moi, est un outil. C'est un plus pour mes consultations et les prestations que j'apporte à mes clients. Avant tout, j'accompagne au mieux-être et au bien-être de la personne. Voilà, et c'est vrai que ma grand-mère était guérisseuse. Donc, je pense qu'elle m'a transmis ce don de génération en génération. Alors, je sais que vous êtes surbooké, vous me l'avez dit, vous avez des tas de consultations. Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Est-ce qu'il y a quand même vraiment est-ce que c'est plus l'amour, le travail, l'argent, la santé ? Est-ce qu'il y a quand même une tendance un peu plus forte que les autres ? Alors, en ce moment, je ne vous cache pas que c'est l'argent et l'amour qui reviennent souvent. Et c'est quelque chose où là, moi, dans ces thématiques-là, j'invite les gens aussi à travailler sur eux et à reprendre le dessus de leur vie, dans le sens où ils restent maîtres de leur vie, et ça c'est important. Vous comprenez quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques et qui pensent que ce n'est pas possible ? Complètement, après ça leur appartient. Hein. Moi je respecte aussi la vie des autres, ça c'est un débat qui n'en finit pas, mais en tout cas l'énergie et la subtilité, ça on ne peut pas le nier. Bon, malheureusement, je crois que je ne peux pas vous demander si je vais avoir une promotion très bientôt ou une augmentation. Ça ne pourra pas se faire comme ça. Hein. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se fait. Dommage, parce que sinon, j'aurais fait écouter ça à mon boss et il aurait. Gardez foi. Mais pour l'instant, non, pas que je sache. En tout cas, mes ressentis, ce n'est pas le cas. Désolé.